Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer comment dessiner ce spray de Fortnite. Donc avant de commencer le dessin, j'aimerais savoir lequel de ces deux dessins vous préférez. Soit celui juste avec l'ancrage, ou celui avec la couleur. Donc dites-moi en commentaire lequel vous préférez, et c'est parti pour le dessin. Donc on commence par la forme carrée de notre visage. Voilà, donc on va faire tout à partir de ce carré. Ensuite on dessine les axes de symétrie. Voilà pour notre chapeau, un très grand chapeau. Voilà pour la partie supérieure, on part bien par rapport au côté de notre carré. Voilà, on vient dessiner la forme de notre chapeau. Ensuite les yeux, donc pareil, on va essayer de les faire assez symétriques l'un par rapport à l'autre. Ensuite les sourcils, pareil. Ensuite la moustache. Donc pareil, par rapport à l'axe de symétrie, on va faire la même chose de chaque côté. Voilà, n'ayez pas peur, de toute façon on va venir faire des traits très large à l'ancrage. Alors ensuite notre revolver. On va venir le peaufiner à l'ancrage bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser des pochoirs, des ronds bien bien ronds. Ensuite la main, donc de chaque côté de notre revolver, l'index, et ensuite on va faire les autres derrière. Voilà, venez faire la forme globale, ensuite on ira faire tous les plis. Voilà, alignez bien les doigts. Ensuite, on va faire l'écharpe. Voilà, donc pour la forme du bras, faites un rond, ensuite on va lui faire les plis. Ensuite on va rajouter tous les petits détails, donc, au niveau du chapeau et du visage. Et on vient terminer par faire nos petits ronds pour les impacts de balles, voilà, de chaque côté de notre personnage. Ensuite, on passe à l'ancrage avec un liner. Donc on vient faire un petit dégrossi. Ensuite, on vient rajouter une surlargeur pour bien insister sur le côté cartoon.
Ensuite, pour la couleur, je disais des feutres alcool. Donc, je fais un dégradé à plat. Donc, je commence par la couleur la plus claire. Et ensuite, je vais rajouter les ombres avec la couleur la plus foncée. Et voilà pour le dessin, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao!